Salut Rivière-du-Loup, vous regardez? Demande Reddit Canada Français, une compilation de Reddit fait à la main. Chères personnes de 40 ans et plus qui sont satisfaites de vos vies, que conseillez-vous aux personnes dans la vingtaine? Tout ce que vous obtenez devient quelque chose que vous avez. Apprenez à être heureux d'avoir des choses au lieu de les recevoir. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Toute ma vingtaine, je pensais que je ne pouvais pas simplement redémarrer ma carrière, laisser un chum inutile ou retourner à l'école parce que j'étais déjà sur un certain parcours. J'ai fait mes choix puis maintenant je dois en tirer la meilleure. C'est du niaisage total. Vous ne savez pas à quel point que vous êtes incroyablement jeune et combien de temps que vous avez pour faire tout ce que vous voulez. Quand j'ai compris ça, j'ai trouvé l'homme de mes rêves. J'ai un enfant à la fin de la trentaine et j'ai abandonné toute ma carrière à la fin de la quarantaine et j'en ai commencé une nouvelle à 50 ans et c'est génial. J'hésite à donner des conseils vu que je suis incompétent pour les donner. À la place, voici quelques points qui méritent ou non d'être pris en considération. Les temps sont très courts et envahissants et s'accélèrent de plus en plus. Les temps sont plus importants que l'argent. En théorie, vous pourriez devenir milliardaire, mais personne n'est jamais un milliardaire du temps. Riche ou pauvre, vous aurez peut-être 100 ans au maximum absolu et probablement pas tant que ça. Il y aura plusieurs versions de vous pendant que vous marchez sur votre chemin, mais une version qui domine toutes les autres versions. Cette version que vous pourriez appeler le vrai vous. Il vaut la peine pour passer du temps à découvrir qui vous êtes vraiment. Vous devrez régler avec les gens. Apprenez à laisser heureux d'avoir été en vos présences et vous ne manquerez pas d'amis et de proches. En parlant de ceux qu'on aime, ce n'est pas parce que quelqu'un est un parent de sang qu'il vaut la peine. Si votre parent, votre frère ou votre enfant est un truc de cul indigne de votre attention, ne perdez pas plus de temps avec eux. Trouvez quelque chose que vous aimez faire et faites-le. Faites-le tous les jours. Peu importe que vous y gagnez de l'argent ou que vous obteniez une reconnaissance grâce à cela. Faites-le comme Henry Darger a écrit et dessiné et comme Vivienne Maillet a fait sa photographie. Faites du bon travail, c'est sa propre récompense. Je suis un bonhomme de 64 ans. Il n'est pas nécessaire d'être ennuyé quand on est vieux. Je pense que c'est génial pour de nombreuses raisons. Prenez soin de vos dents. Ce sont les seuls que vous aurez toute votre vie et vous ne voulez pas les négliger et les gâcher comme je l'ai fait. J'ai des tonnes de plombages qui ne durent pas et qui doivent être remplacés. Une obturation n'est pas aussi bonne que les vraies choses et les dents obturées peuvent se casser, nécessitant des couronnes. J'en ai deux et c'est plate. Brossez et passez soigneusement la soie dentaire tous les jours sans exception. Prends une brosse à dents électriques. Consultez régulièrement le dentiste. Laissez tomber les boissons sucrées. J'étais un alcoolique dans la vingtaine et je pensais que je ne m'en remettais jamais. Je n'ai jamais trouvé de vrai travail en utilisant mon premier diplôme ou ma maîtrise. Une partie de ça était parce que j'étais toujours sous. L'autre partie était le marché du travail à l'époque. Je suis retourné à l'école dans la trentaine et j'ai trouvé quelque chose que j'aime beaucoup plus. Maintenant, je suis marié, sobre depuis près de 10 ans et j'ai un excellent travail. Ce que je veux dire, c'est que vous vous retrouverez sur le mauvais chemin ou que vous n'aimez pas où vous êtes, il est toujours temps de faire demi-tour et de le changer. Trop de gens se posent simplement coincés là avec leurs problèmes. Quand j'étais à l'université, j'ai eu la chance d'aller en Europe, mais j'ai passé l'opportunité parce que je devais travailler dans un entrepôt. J'ai choisi de travailler dans un entrepôt à temps partiel pour voir le monde. Quand je suis finalement allé à l'étranger dans la trentaine, ça a changé ma perspective sur tout et tout le monde. Aller dans un autre pays lointain et différent de vôtre. Sérieusement, surtout les citoyens américains, j'ai entendu dire que la moitié d'entre nous n'avait même pas un passeport.
J'ajouterais que vous devrez essayer de voyager seul au moins une fois et de le régler vous-même. Ne vous mettez pas dans les têtes ridicules en essayant de portrayer une certaine image. Vous passerez toute votre vie à essayer de sortir du trou que vous avez creusé ou vous devrez déclarer faillite. Mettez de côté suffisamment d'argent pour couvrir 3-6 mois de dépenses en cas d'urgence comme maintenant. De plus, épargnez dès maintenant pour vos années de retraite. Ça ne nécessite pas beaucoup. Si vous le faites directement sur votre chèque de paye, vous ne serez pas inclin à ne pas vous payer en premier. Prenez soin de votre corps. Faites de l'exercice pour maintenir un poids de santé et une bonne santé cardiovasculaire. En vieillissant, il est beaucoup plus difficile de les maintenir. Profitez des jours de votre jeunesse sans aller trop loin. Il n'y a rien de mal à passer un bon moment, mais si vous vous réveillez toujours en vous demandant ce qui s'est passé la nuit dernière, pourquoi vous ne vous souvenez pas comment vous avez dépensé autant d'argent ou vous avez toujours la gueule de bois, vous devriez le réduire un peu. Ne considérez pas les conseils ou les critiques comme une attaque personnelle. La plupart du temps, les personnes soucieuses de vous ont observé un comportement en vous qui est répugnant, qui ne reflète pas qui vous êtes vraiment ou qui pourrait être ou qui ferait de vous une personne plus complète. N'épousez personne parce que vous pensez que c'est quelque chose que vous devez faire. Pareil pour avoir des enfants. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre, même si ma famille m'a toujours poussé de le faire, et je suis incroyablement heureux d'où je suis. Je ne peux pas imaginer à quel point je serais misérable de prendre des engagements comme ceux-là, juste pour rendre les autres heureux. Choisissez-vous en premier. Ce n'est pas une course. Arrêtez de vous comparer aux autres. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait les choses plus tôt que vous qui sont le plus heureux ou les meilleurs. Essayez d'apprendre les bonnes habitudes. C'est un peu difficile au début, mais dans quelques années, ça sera une seconde nature. Faites ça avec des choses comme la cuisine, le nettoyage, économisez de l'argent et prenez soin de vous. Il est normal de ne pas aimer quelqu'un. Il est également normal d'avoir quelqu'un qui ne vous aime pas. Les gens ne vous aimeront pas sans raison. Ce n'est pas grave, c'est un problème à eux et non un problème à vous. Ne soyez pas un âne pour tout le monde et donnez-leur des raisons de ne pas vous aimer. Mais sachez également que vous n'êtes pas obligé de supporter la mauvaise amitié de quelqu'un d'autre. Ne pas avoir honte à consulter un professionnel de la santé mentale. Adoptez une routine d'exercice régulière et respectez-la comme si votre qualité de vie en dépendait, parce que c'est le cas. J'ai beaucoup fait d'exercice au début de la vingtaine, puis j'ai arrêté. Après avoir eu un enfant au milieu de la trentaine, j'essaie de me remettre en forme et de faire beaucoup de musculation. Je ne peux pas croire que j'ai arrêté pendant tant d'années. Trouvez un exercice que vous aimez. Je détestais le tapis roulant et les vélos. J'adore mon rameur parce que je peux regarder la télé. Je n'aimais pas vraiment les gymnases au domicile, mais j'aime faire une routine entière avec une barre. Il est beaucoup plus facile de continuer à faire de l'exercice si vous trouvez quelque chose que vous aimez ou du moins que vous ne détestez pas. J'ai aussi utilisé un entraîneur personnel jusqu'au début de la quarantaine qui m'a poussé et m'a gardé motivé. Ça coûte cher, mais ça en valait vraiment la peine pour moi. Pardonnez-vous avant de pardonner aux autres. Sauve ton argent, Chris. J'aurais aimé pouvoir récupérer les milliers de dollars que j'ai brûlés en faisant la party dans les clubs. Merci d'avoir regardé Demande Reddit Canada Français. Revenez chaque lundi soir à 21h pour un nouvel épisode avec un nouveau sujet. Vous pouvez également poser vos propres questions et répondre aux questions des autres sur notre nouveau subreddit. Le lien est dans la description de la vidéo.